Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien en ce dimanche 26 septembre. Oui, ça y est, on recommence un nouveau vlog. Je ne vous ai pas repris hier pour le premier jour, ça commencera aujourd'hui parce que hier j'ai pas fait grand chose, j'ai fait de l'extérieur tondre, etc. Un peu d'intérieur et puis ensuite j'ai monté ma vidéo, mise en ligne et puis préparé les vignettes, etc. Donc rien d'intéressant et le soir. J'ai un peu lu, donc c'est pour ça que je viens discuter un petit peu avec vous, lecture. Donc ce matin, j'avais de la vaisselle à faire, donc j'ai continué ma lecture en audio de La Ferme du Bout du Monde. Et je suis à une centaine de pages, oui, 92 très exactement, j'arrive presque à 100 pages d'écoute. Ça se passe très bien. J'aime bien ce petit endroit de Cornouailles, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 dans cette ferme. Je pense qu'on va parler d'amour, parce qu'ici on croise plusieurs générations de femmes et certaines ont des difficultés dans leur vie actuelle. Et on va aussi en apprendre sur Maggie, cette jeune fille des années 40, qui aujourd'hui est grand-mère. Hein, et à 70 ans, sépare ces deux facettes d'elle-même en fait. Et on a envie d'en savoir un peu plus, donc pour l'instant ça se passe très très bien. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup, voilà, c'est un peu dépaysant. Ça fait un petit peu, on nous raconte comme un conte, une histoire, où on est bien dedans et j'ai envie d'en connaître un peu plus sur ces personnages et sur cet amour, parce que je pense qu'il y a un amour caché derrière, donc j'ai envie de connaître tout ça, voilà. Donc ça se passe très bien. Voilà, bon, ça paraît pas beaucoup parce que en fin de compte c'est écrit très petit et c'est un roman qui fait quand même 460 pages ou 470 pages, donc il paraît petit, mais en fait c'est un beau bébé carrément, mais assez entraînant. Les chapitres sont pas trop longs. Si vous avez l'habitude de me suivre, de m'écouter un petit peu sur mes avis, je suis pas très fan des chapitres longs, voilà, je trouve que moi ça me casse le rythme, donc là c'est parfait. Et donc j'ai attaqué également en lecture commune avec Anaïs, j'ai fait mon petit débriefing ce matin avec elle, j'ai lu hier 110 pages, ça se lit très très bien, voilà, je l'ai entamé hier soir moi, parce que hier j'ai pas eu le temps, j'ai bouffé 100 pages, voilà. Ça se lit très bien, les chapitres sont très courts là par contre, c'est des chapitres qui font 2-3 pages, des fois une page. On est sur, à notre époque ici, c'est du contemporain, on est avec deux jeunes femmes, Adèle et Lisa, qui sont amies depuis l'enfance, et on va suivre leurs deux vies, qui, même si elles sont amies, ont deux vies quand même fortement séparées, puisque chacune va grandir et rencontrer l'amour, découvrir l'amour, voilà, construire une vie de couple, et on les suit toutes les deux dans leur vie et leur péripétie un petit peu sur ces vies de couple, sur ces amours, sur l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? L'amour qu'on porte à la personne avec laquelle on vit, la profondeur de cet amour, la solitude des fois aussi. Les difficultés qui viennent des fois mettre des embûches un petit peu dans cette vie dans ces vies de couple. Voilà, tout ça en fait s'est réuni dans cette histoire. Là j'ai avancé un petit peu maintenant, juste là depuis une petite heure, je suis à 160 pages, donc j'ai lu une cinquantaine de pages de plus. Je vous dis, ça se bouffe, ça se lit hyper vite, je pense pas mettre trop longtemps, je vais m'y remettre je pense maintenant. Voilà, j'arrive presque à la moitié du roman, mais ça se passe bien. Alors je dirais pas que je suis plus embarquée que ça, je n'ai pas plus d'empathie que ça pour ces deux jeunes femmes. Il y a quelques sarcasmes dedans sur la vie, sur les gens que l'on peut rencontrer, sur, voilà, sur des analyses de personnes que l'on peut rencontrer. Il y a un peu d'humour parsemé de moments cinglants un petit peu, qu'ils soient en pensée pour les personnages ou qu'ils soient dits verbalement. Voilà, donc j'ai hâte de continuer, voir où m'entraînent un petit peu ces deux femmes, leur choix surtout de vie et leur choix qui vont engendrer des chamboulements, bien évidemment. Hein. Chaque choix, chaque décision que l'on prend fait boule de neige et entraîne des belles choses, du bonheur, soit des fois du malheur, malheureusement. Donc pour l'instant ça c'est pas bien, je vous dis, j'ai pas plus d'empathie que ça. Je lis, c'est pas désagréable à lire, il y a de l'entrain, j'ai hâte de poursuivre, mais je suis pas plus, vous savez, des fois dans des romans où on va nous parler de vie de personne, on s'attache directement au personnage, on ressent énormément les choses.
Là, pas du tout. Je suis assez extérieure aux émotions de ces deux personnages. Je suis parce que ça me plaît bien, c'est bien écrit. Mais voilà. Je pense que le mot, c'est l'empathie qui n'est pas présente. Mais mon autre question, c'est y en a-t-il besoin toujours dans nos lectures? Je ne pourrais vous répondre qu'à la fin de ce roman, parce que pour l'instant, je n'en suis qu'à la moitié de leur parcours. Et j'ai envie de connaître un peu plus. Peut-être que derrière, il y aura autre chose qui va arriver. Justement, que toutes ces choses qu'elle nous raconte nous entraînent vers quelque chose de peut-être plus dur, plus fort. Sait-on jamais, je n'en sais rien. Ou peut-être une bulle de bonheur, j'en sais rien. Donc je ne pourrais vous en dire plus que quand j'aurai avancé. Et je pense que je vais avancer relativement vite. Voilà pour ces deux romans qui sont mes lectures en cours. Ça se passe bien. Deux contemporains pour l'instant qui sont assez sympas. Ici avec un petit côté historique Seconde Guerre, mais je vous dis, on l'aborde, voilà, on est encore noyé en 1940, donc on l'a à peine abordé, mais j'ai envie de savoir. Sinon, côté série, je suis toujours dans Supernatural puisque je n'ai rien commencé d'autre à l'heure actuelle. Je suis à la saison 6, épisode 19, donc j'arrive presque à la fin de la saison 6. Une saison où, alors autant à la saison 5 j'avais oublié quand même pas mal d'épisodes, enfin quand même, pas mal d'événements quand même qui étaient survenus à Sam et à Dean, autant la saison 6 il y a plein d'épisodes qui me sont revenus, et la saison 6 il y a quelques épisodes quand même qui sont vraiment drôles. Il y a toujours cet humour omniprésent dans Supernatural, alors des fois non, les épisodes ne le permettent pas, mais voilà, dans la saison 6 là il y a eu quelques épisodes franchement pépites. Donc là je vais finir cette saison 6 bien sympa, et je vais attaquer du coup la saison 7. Voilà. Donc ça se passe toujours aussi bien, c'est une série que j'aime beaucoup, et c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est une série qui est quand même relativement longue, chaque saison a plus d'une vingtaine d'épisodes, donc ça se regarde pas en un clin d'œil non plus, mais j'ai un bon rythme. Voilà pour Supernatural. Peut-être que je vais me mettre dans une autre série. Il faut que je regarde Le Bal des Folles, l'adaptation du roman de Victoria Mas que j'ai lu en lecture commune avec Nanounette. On l'a lu quand? Je ne me rappelle plus. En août, on l'a lu. Au mois d'août, et qui n'a pas été une grande réussite. J'avais vu pas mal de super avis sur ce roman, et au final, j'ai été très déçue. Mais je veux regarder l'adaptation ciné pour voir, parce que des fois, peut-être que c'est mieux. Donc je pense que je vais me regarder ça dans la semaine pour me faire un avis aussi sur... parce qu'il y a quand même Mélanie Laurent, donc je pense que quand même, il y a des acteurs vraiment bien. Donc je vais tenter, je vous dirai, je vous ferai un retour, de toute façon, en vidéo aussi, dans les vlogs, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais écoutez, sur celle-là, je vous laisse. J'ai l'impression que les semaines sont un peu toutes les mêmes. Bonjour à tous, on est mardi 28 septembre. Ah, elle a tout dit comme il faut. C'est 8h moins le quart, je suis rentrée d'une réunion, donc j'en profite pour venir vous faire un petit coucou. Hier, je suis rentrée, j'ai eu la flemme, j'avoue, et puis j'avais pas énormément avancé sur mes lectures, donc je me suis dit je vais pas aller les embêter, voilà. Alors, j'ai avancé dans mes lectures par contre, j'ai terminé Pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun. Je vais pas m'étendre ici parce que je vais vous en parler dans une vidéo la semaine prochaine, une vidéo gazette. Par rapport à mon départ, je vous ai parlé de ce roman donc dimanche. J'aime bien. J'étais dans une lecture où je vous disais c'était bien, mais que il me manquait un petit peu l'émotion. Peut-être que je ne vous l'ai pas dit. Donc dans le premier tiers, on va dire, j'avais l'impression de suivre avec intérêt ces deux jeunes femmes, mais qu'il me manquait un peu d'émotion. Je pense que ce roman, il se ressent une fois qu'on l'a terminé. Il y a des romans comme ça où vous avez l'impression que votre avis ne va pas changer, et en fait si, et même sur le moment à chaud, et puis quelques jours plus tard. C'est exactement ce type de roman qui continue à vous faire réfléchir. Les deux personnages passent par des choix dans leur vie personnelle pour accéder au bonheur,
ce que tout le monde, tout heure, chacun veut. Je pense que c'est comme ça aussi que l'on peut s'identifier à elle, à toutes les deux, même si elles n'ont pas les caractères qui s'approprient aux vôtres, vous arrivez quand même totalement à vous imprégner de cette histoire. J'ai passé un très bon moment, c'est très très bien écrit. L'auteur a eu l'intelligence de faire des chapitres très très courts, d'alterner entre ces deux personnages que l'on va suivre. Donc du coup, ça donne du dynamisme, la plume est vraiment agréable et fluide. Et il y a beaucoup de questionnements dans ce roman sur notre société, sur la famille, sur le bonheur, sur la sexualité, sur le couple, voilà, et sur cette quête très personnelle, très solitaire du bonheur. Parce que même si on est des fois en couple, il peut arriver de se poser des questions personnellement sur nos vies. Et du coup, ce roman, il pose toutes ces questions. Il pose tout cet intérêt que l'on a envers nous-mêmes à toujours peut-être se remettre en question, peut-être d'être sûr des choix qu'on fait dans la vie, même si on n'en est jamais sûr quand on fait un choix. Et ce roman, c'est un peu ça. Donc je vais vous en reparler plus grandement, plus longuement, plus explicitement dans ma vidéo Gazette de la semaine prochaine. Je pense qu'elle arrivera mercredi prochain ou peut-être vendredi prochain. Voilà, je sais pas trop, entre mercredi et vendredi, tout dépendra de mes autres lectures et de la vitesse à laquelle j'avance. En tout cas, c'est une très bonne lecture, je suis ravie de l'avoir découverte. Vraiment, j'ai eu... Je l'ai bouffé, en fait. Hein. C'est un roman qui se lit très facilement. Et même si par moments, j'ai eu l'impression d'avoir une facilité dans les événements, un survol des sentiments et des émotions, au final, non, parce que j'étais complètement attirée et je voulais rester dans ce roman et je voulais rester plus longtemps. Si ça avait été un peu plus étoffé, un peu plus, une centaine de pages de plus, j'aurais pas dit non. On l'a fait en lecture commune avec Anaïs, donc ce qui nous a permis aussi de pas mal discuter sur le roman. J'aime bien ça. On a discuté vraiment sur la construction, sur l'écriture, sur les personnages, les différents personnages, savoir laquelle des deux on préférait, et là nos avis divergent, autant elle a aimé Lisa, autant moi j'ai préféré Adèle. Autant dans le comportement je serais plus une Lisa, mais j'aimerais être une Adèle. Donc en fait, voilà, donc on a deux femmes avec des tempéraments différents, je pense qu'on peut s'identifier, parce qu'on va rester des années avec elles, donc c'est des personnages qui vont évoluer, donc si à un moment donné on s'est plus identifié dans Adèle, peut-être qu'après on s'est plus identifié dans Lisa et vice versa. Et c'est ce qu'il y a eu moi dans ma lecture. Si au départ j'ai préféré Lisa, au tout début dans sa jeunesse, j'ai préféré Adèle après dans sa partie adulte. J'aurais aimé une confrontation à un moment donné parce qu'il se passe un événement fort pour Lisa. Je suis un peu déçue. C'est pour ça que c'est pas un personnage. Voilà, j'aurais aimé la secouer. Voilà, je l'ai trouvée très passive et a accepté très facilement les choses. Alors qu'Adèle s'est battue pour les conquérir ces choses et elle est allée au bout des choses. Même si elle fait un peu office de bulldozer, je trouve que voilà, il y a deux personnages vraiment différents. Donc je vous conseille cette lecture. N'hésitez pas. Pour une fois, j'ai fait un post Instagram où je vous ai donné mon avis à chaud. C'était vraiment un avis à chaud parce que je suis encore en réflexion, encore là quand je vous en parle. Et je pense que quand je vais faire ma vidéo, ça sera pareil. Voilà, j'espère arriver à bien parler de ce roman parce qu'il était très sympa. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai entamé une nouvelle lecture écrite et je suis dans La Baronne des Glaces. Je reste toujours chez l'Archipel puisque j'ai quand même pas mal de romans de cette maison d'édition à lire. Là, on est dans de l'historique cette fois-ci. On est en Russie en 1822 et on va suivre pareil sur plusieurs années ces personnages. Ils sont d'abord enfants, puis ados, puis jeunes adultes. Donc là j'ai commencé en 1822 et là je suis en 1827, donc j'ai quand même pas mal avancé. J'arrive à la moitié du roman. On va se retrouver avec Grisha et Katia. Ils sont frères et sœurs et ils vont quitter leur maison parce qu'ils sont pas heureux là où ils sont. Ils veulent, voilà, lui Grisha veut voler plus loin, plus haut, il veut réussir et là où il est, il ne réussit pas. Son père n'est pas un être affectueux et voilà, donc pas le temps, pas le temps. Donc du coup j'en suis là, j'ai bien avancé dans le roman, j'ai hâte d'y retourner, j'ai envie de savoir ce que la deuxième partie va donner, on va les suivre. Donc là ils ont grandi bien évidemment, on est avec des jeunes adultes, Katia a 16 ans et là Grisha a 18 ans. Voilà, donc on avance, on avance. J'aime beaucoup pour le moment, il y a ces éléments qui sont l'air, la glace, etc. Donc du coup, il y a les éléments qui font partie intégrante de l'histoire. Ils ont une sorte de don, voilà,
on va dire que c'est un don. Donc j'ai envie de continuer. Et ils ont envie de s'en sortir dans la vie, donc à voir ce que la vie va leur réserver. Je pense qu'ils ont quand même passé quelques petites épreuves, pas faciles, donc à voir ce que la suite va donner. C'est un tumeur, donc peut-être que ça va s'arrêter à la fin et que je vais être là, mais il me faut la suite. Donc on verra. En tout cas, je suis bien partie. Si ça se débrouille bien, je pense l'avoir fini demain. Voilà. Et je suis toujours dans La Ferme du Bout du Monde en audio. J'ai écouté 200 pages de cette histoire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alternance présent-passé 2014-1940, autour de l'année de 1939-1943. Pour l'instant, on est. Donc j'ai hâte de poursuivre. On suit des générations. On va suivre Maggie, la grand-mère, l'arrière-grand-mère Evelyne, Maggie, Judith, la fille, et la petite-fille Lucie. Donc Lucie en 2014 avec sa grand-mère et sa mère. Et on va remonter le temps et on va retrouver Maggie quand elle était jeune, pendant la Seconde Guerre mondiale en Cornouailles. Donc quand même assez éloignée, on va dire, du conflit, tout en le touchant quand même un petit peu. Donc il est omniprésent, mais on est quand même sur ce petit bout de terre en Cornouailles, sur ce bout de falaise. Et j'ai hâte de poursuivre, je suis vraiment bien, c'est hyper bien écrit, c'est hyper addictif, on alterne les époques, et je veux savoir, en fait, pour Maggie, voilà, Maggie est un personnage masculin dans l'histoire, Will, j'ai envie de savoir, et Lucie, pareil, dans le présent, avec son frère Tom, qui essaye de se battre pour la ferme familiale, qui est là de génération en génération, dans ce petit lopin de terre. Donc voilà, c'est hyper addictif, c'est hyper bien écrit, c'est assez un peu descriptif sans l'être beaucoup, c'est poétique par moments, j'ai l'impression d'y être en fait, j'ai l'impression de ressentir ces embruns, d'être vraiment dans cette ferme avec ces animaux, ce combat d'agriculteur, vraiment, pour l'instant je passe un très très bon moment. C'était Martine qui en avait parlé. Martine, j'essaierai de mettre son... Il faut que je pense à mettre le lien en barre d'infos. Qui en a parlé, qui avait fait un retour sur ce roman. Il me tardait de le découvrir. Ma mère l'a lu, elle a bien aimé, elle a passé un bon moment de lecture. Donc j'ai hâte de poursuivre. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre comme info à vous donner? Non, je pense que non. Là, on a... Alors là, à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est déjà passé. Mais mercredi, on a fait un petit live avec Elle Booktube et vous, le groupe que l'on a avec Julie et Mumu. On a fait un petit live sur les lectures, rétrospective des lectures du mois de juin, juillet et la petite lecture d'août où c'était en choix. Donc c'était à vous de venir nous présenter les lectures que vous avez faites au mois d'août. Donc voilà, un petit rendez-vous. Donc si vous n'avez pas passé par là et que vous n'avez pas eu le temps d'aller les voir, peut-être que vous pourrez regarder un replay, c'est sur la chaîne de Mumu. Voilà, et on vous retrouvera au mois d'octobre pour la lecture de Tes notes pourpre de Angèle Harikin qu'on a lu au mois de septembre. Et info aussi, si vous passez par là, n'oubliez pas la lecture commune du groupe pour le challenge cocooning automnal du mois d'octobre, Glory d'Elisabeth Wetmore. N'hésitez pas à nous rejoindre, j'ai mis le post sur les groupes, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. On a fait un groupe spécial pour pouvoir en discuter. Moi je ne me suis pas encore acheté le bouquin, mais ça ne saurait tarder. Et dernière info, lecture commune aussi, pour le groupe Elle Booktube et vous pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, on a pris un cozy mystery avec un duo de femmes enquêtrices. Alors, je ne me souviens plus leur nom, Brainbridge et Stern, je crois, un truc comme ça. Enfin, je ne me rappelle plus. Je vais essayer de vous insérer la photo. Je mettrai le post dessous. Donc, c'est le tome 1, c'est le bureau du mariage idéal. Il va y avoir un meurtre, je crois. Et elles vont enquêter, ces deux jeunes femmes. Voilà, et on va les retrouver dans le... Après, ça continue. Donc, voilà, c'est tout ce que j'en sais. Voilà, on avait envie de se lancer dans les cozy mysteries. J'en vois passer pas mal. Et puis, c'était une petite envie. Je m'en suis noté d'autres. Il fallait faire un choix. Donc, on a choisi pour vous. On espère que vous allez venir nous rejoindre également pour cette lecture commune. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Là, pareil, c'est le même fonctionnement. Vous avez les checkpoints sur... sur Instagram, et vous avez le groupe sur Facebook, le groupe Elle Booktube et vous. Donc voilà, vous avez ces deux endroits pour venir discuter de cette lecture au fur et à mesure où vous allez la lire. Voilà, j'ai hâte, je vous en reparlerai de toute façon de ces deux romans dans le courant du mois d'octobre dans les vlogs. Et puis là par contre, je pense que j'ai assez blablaté. Et coucou, on continue le vlog? Oui, alors vous, ça vous aura pas paru très très long. Mais moi, oui, parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue. On est le lundi 4 octobre.
Et je viens de tourner une vidéo. Je viens de tourner des vidéos, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va revloguer quand même. Donc, vous avez un peu de contenu au départ, qui est de la semaine d'avant. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé de vlog la semaine passée. Vous avez eu le cosy favori dimanche matin. Vous n'avez pas eu de vlog. Non, parce que j'ai pas eu le temps de trop vloguer, de venir papoter avec vous. Je change de cadre, oui, parce que la semaine a été assez mouvementée, donc j'ai pas eu le temps. Je me rends compte que pour faire du vlog, il faut être un peu à la maison, sauf que ben, je passe plus de temps, moi, au boulot qu'à la maison. Donc c'est difficile de faire du contenu. Mais bon, je reviens, donc on est lundi, je viens de tourner des vidéos, donc je me suis dit que j'allais venir discuter avec vous et vous parler un petit peu de là où j'en suis dans mes lectures avant d'aller me démaquiller, de me préparer à manger. Parce que là, il est quand même 8h-10, je suis rentrée à 6h, le temps de me poser pour filmer, voilà, donc de me ravaler un peu la façade. J'ai essayé ce make-up, je suis restée comme ça, hein, mais je suis pas convaincue, hein. Je suis partie sans savoir trop ce que je voulais faire pour les yeux. Les couleurs me plaisent beaucoup, mais trop de couleurs, en fait, j'aurais pas dû mettre le rose à l'intérieur. Voilà, donc bon, c'est... Je vous mets de... plus près. Par contre, on en parle de ces teintes. On en parle. Magnifique. Bon, ça commence à partir parce que moi, j'ai du mal à faire tenir les fards sur mon... Même si je mets une base et tout. Donc voilà. Donc c'est le make-up du jour. Je suis assez contente de la couleur. C'est flashy, c'est ce que je voulais. Donc je teste. Ça, c'est avec ma Zando palette de chez Natasha Denona. On va arrêter le truc make-up parce que je vais perdre la moitié des gens qui ne sont pas intéressés du tout par le make-up. Donc j'ai essayé d'aller vite parce que je voulais filmer. Donc bon, c'est pas le teint, c'est à refaire. Enfin bon, c'est pas génial. Peut mieux faire. Parlons des lectures que j'ai terminées parce que comme je ne suis pas revenue, je vais vous laisser, j'étais partie avec La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler. Je ne vais pas épiloguer trop ici puisque je vais faire une vidéo avis sur cette lecture puisque c'est des services presse des éditions L'Archipel. J'attends la suite. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas plus été intéressée que ça par l'histoire de la glace qui a une part dominante, on va dire, dans cette histoire. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages. Ici, on va suivre un frère et une sœur. On va les suivre depuis l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Ils vont essayer de se sortir de la situation où ils sont familiales et essayer de gagner de l'argent pour pouvoir bien vivre. Et ils vont faire la rencontre de deux frères qui sont commerçants, eux. Et ils vont s'allier tous les quatre pour essayer de gagner beaucoup d'argent. De faire le commerce du siècle et on va les suivre et j'ai beaucoup aimé parce qu'on voyage pas mal, on est parti de la Russie, on est parti après en Allemagne je crois, on est parti en Angleterre, on est parti aux Indes, enfin voilà, on a vogué avec ces personnages. Le personnage, alors le frère et la sœur s'appellent Katia et Grisha et on va avoir les deux frères qui vont s'appeler Christian et Thilo. J'ai un gros crush pour Thilo, pour le personnage de Thilo. Ici, on va nous parler donc d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, à une époque où, on va se dire que dans le monde, par exemple, ils sont partis en Angleterre à un moment donné, c'est préjudiciable et ça peut amener jusqu'à la peine de mort, l'homosexualité. Donc voilà, on va traiter de tous ces sujets avec ces personnages différents qui vont essayer de vivre et de mieux vivre, on va dire. J'ai vraiment passé un super moment, je l'ai bouffé ce roman en fait. Même si la partie, comme je vous dis, commerce de la glace ne m'a pas plus transporté que ça, j'ai envie de connaître la suite. On nous laisse là avec des décisions qu'ils doivent prendre et on nous laisse la paf sans nous dire ce qu'ils ont choisi. Donc comment vous dire que j'étais... Voilà. Mais c'est un bon moment de lecture. J'aime l'ouverture d'esprit, en fait, de ces personnages sur la sexualité, déjà, d'une chose. Sur leur vie, sur la sexualité, sur la famille, sur les amis, sur l'amour. Sur l'amour unique, on va dire, d'une seule personne envers une autre et les amours possibles dans la vie. Il y a vraiment une part de modernisme dans le caractère des personnages qui m'a vachement plu. Et je veux savoir, en fait.
je veux savoir. Bon, vous vous doutez bien que mon crush va un peu plus à la relation homosexuelle, bien évidemment, et bisexuelle. Voilà, j'ai envie de savoir où ces personnages vont aller. Le personnage de Katia me plaît beaucoup. C'est une jeune fille qui essaye de sortir du carcan de l'époque. Et pareil, elle aussi, voilà, qui essaye de prendre des décisions, sa vie en main, et qui ne veut pas que ce soit les hommes qui décident pour elle. Et franchement, j'adore. Bon, elle a une complicité énorme avec son frère, qui ne la traite pas du tout comme une pauvre femme qui doit l'écouter et c'est lui qui commande, pas du tout. Donc du coup, vraiment, il y a vraiment une relation forte entre les deux et un respect, en fait, un respect mutuel. Donc, je vous le conseille. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture dans ce pays froid, à une époque différente, mais avait vraiment de l'ouverture d'esprit, je peux vous dire, sur les relations et sur, voilà, sur les personnages. Donc, allez-y, poussez, il m'attend de la suite, moi. Et ensuite, je suis partie en Cornouailles, en voyage, avec La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'ai adoré cette lecture. Franchement, je l'ai fait en audio-livre. Je l'ai adoré. Donc, il y a une alternance présent-passé. Dans cette ferme, on va suivre l'agriculture un petit peu et les problématiques agricoles de cette famille. Mais pas que, on va suivre les relations, les difficultés. Lucie vient de se prendre une énorme claque dans la tronche, dans la vie. Donc, elle revient dans cette ferme où elle essaie de se retrouver. Et elle va apprendre l'histoire de sa grand-mère, Maggie. Et nous aussi. Et franchement... j'ai été hyper touchée, j'ai été en colère, j'ai été voilà, révoltée, j'ai pleuré. C'est l'amour avec un grand A, c'est dur quand même. C'est l'amour, comme moi, j'aime pas le lire en fait, parce que moi j'aime l'amour, voilà, l'amour qui va au bout de tout et qui voilà, et au bout du chemin, voilà. On est heureux et tout ça. Enfin, voilà, le pays des bisounours, bien évidemment. Mais le pays des bisounours, c'est pas ça, la vie, en fait. Hein. Et donc, on va suivre ces personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maggie, tout en pudeur à notre époque. Une personne âgée qui cache beaucoup de choses. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est hyper bien raconté. C'est hyper bien écrit. C'est des personnages attachants. Voilà. Je peux que vous conseiller cette lecture si vous aimez la romance, si vous aimez... voilà, si vous aimez les beaux personnages, si vous voulez être touché, je vous le conseille fortement. C'est une magnifique histoire. J'ai eu l'impression d'être en Cornouailles, au bord de ces falaises, avec ce temps, avec ces personnes, avec ces difficultés de vie qu'on nous demande tous les jours de produire, de s'en oublier un petit peu, de cravacher tout le temps et de s'y perdre un petit peu. Franchement, je vous le conseille. Voilà, deux lectures que j'ai terminées et que j'ai adorées. Donc, je peux que vous les conseiller, bien évidemment. Je vais vous pousser un tout petit peu. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lire ces lectures. Voilà. Donc, on va aller se placer ailleurs. Je vais vous montrer les deux lectures que je suis en train de faire. Et puis, on se retrouve de suite. Bon, là, niveau luminosité, c'est la merde. Hein. C'est la merde. C'est tout jaune, je suis désolée, j'ai une mauvaise luminosité, j'ai une ampoule qui a claqué en plus au plafonnier, donc on fera avec. Avant j'avais c'était la bonne lumière parce que j'avais la lumière des parapluies pour les vidéos. Donc j'ai à peine commencé, hein. J'ai commencé aujourd'hui La Marquise des Ombres parce que j'ai pas lu du tout la semaine dernière, c'était une catastrophe. Une fois que j'ai fini ces deux romans, j'ai eu du mal à me replonger dans quelque chose, j'avais besoin un peu de temps pour digérer autant l'un que l'autre, que ce soit La Baronne des Glaces ou alors La Ferme du Bout du Monde, qui m'a quand même tenue. Bon, j'ai regardé des séries aussi, hein, donc voilà. Donc, j'ai commencé La Marquise des Ombres de Catherine Hermarie Vieille. On est ici avec une jeune femme qui va être une empoisonneuse. Elle va épouser un marquis. Ça démarre plutôt bien. Donc, Marie-Madeleine, je la découvre enfant et savoir ce qui s'est passé dans sa vie. J'avoue que ça démarre mal hein, pour elle. Hein. Je comprends mieux un petit peu que ça dérape... On va voir où ça nous mène, mais la pauvre... peut-être que c'est mis dans cet angle. J'essaie de trouver un bon angle, mais là, il est 8h, il fait... ça y est, c'est le noir complet. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je me mets dans celui-ci, c'est de l'historique. On va suivre, voilà, cette jeune femme qui va épouser le marquis de Brinvilliers. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'en sais.
C'est un poche de chez l'Archipel, donc c'est ma, voilà, c'est ma nouvelle lecture. C'est un beau bébé de 550 pages, c'est écrit tout petit, moi j'ai plus l'habitude. Hein. Quand je sors en plus de la lecture de La Baronne des Glaces, qui est écrit hyper gros, puis c'est un grand format, à ça, comment vous dire que mes yeux saignent. De toute façon, mes yeux saignent actuellement. J'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, mais bon, vous savez tous, on est tous pareils. Hein. Vous savez, l'ophtalmo, il ne vous prend pas le lendemain. Donc, j'ai rendez-vous qu'en décembre. J'avoue que je souffre. Je crois que là, j'ai la vue qui... qui flanche. Que voulez-vous, monsieur, dame? C'est l'âge. Voilà pour celui-ci. Et sinon, je suis repartie dans un thriller avec La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Je l'ai en grand format. C'est le premier tome de la saga avec les personnages de Erika Falk et le gars, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'ils sont deux. Hein. Je me sens qu'il y a un enquêteur avec elle. Hein. Donc pour l'instant, je n'ai rencontré que Erika. J'en suis à 40 pages, je crois, à peu près, peut-être un peu plus. Un petit peu plus, parce que j'ai écouté. Voilà. On retrouve un corps dans une baignoire. Il se trouve que Erika, elle la connaît. C'est une amie d'enfance, Alexandra, et elle va enquêter. Alors, d'abord, parce qu'elle veut faire une éloge funèbre, ses parents lui demandent de faire une éloge sur leur fille. Et donc, de fil en aiguille, je suppose qu'elle va enquêter sur le décès qui passe pour, au départ pour un suicide, mais qui n'en est pas un, vous vous en doutez bien. Donc je suis partie là-dessus en audio-livre. J'ai beaucoup de mal avec les noms des personnages, bien évidemment. J'ai du mal à retenir si les prénoms sont... Alexandra et Erika, ça va. C'est des prénoms qui sont quand même assez classiques. Il y a une Marianne, puisqu'elle est française aussi. Donc là, ça va, mais c'est les noms de famille avec les consonances suédoises. Ah, j'ai un peu de mal, voilà. Mais ça me rebascule un petit peu dans ces livres, comme un peu comme Millennium, où vous avez les noms à coucher dehors que vous... Voilà, bon. Mais eux, pareil, quand ils doivent lire nos noms, ils doivent se dire « quoi ?» Donc voilà, j'ai juste un peu de mal avec les noms, mais pour l'instant, ça débute à... Voilà, je suis à peine au début, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il me tarde de découvrir cette auteure qui est connue et reconnue elle aussi, au niveau thriller policier. Donc voilà, vous savez tout sur mes lectures en cours, je repasserai... bon, là, j'en ai pour un petit moment, hein. On ne va pas se mentir, parce que celui-là, il paraît pas gros... Mais quand même, il y a de la page, hein. Il y en a du mot écrit sur la page. Voilà, c'est quand même assez dense. Donc, bon, il fait combien ? 350 pages. Non, mais ça va, mais bon. Ça me paraît, les formats, vous savez, d'Actes Sud ici, paraissent immenses en hauteur. Et donc, du coup, c'est assez rempli quand même. Donc, bon. Voilà pour mes lectures en cours cette fois-ci. Voilà, vous savez tout. J'espère pouvoir revenir dans la semaine. Pas trop souvent non plus, si j'ai pas grand chose à vous dire. Ça n'a pas la peine de parler pour rien dire. Et chose que je sais faire, mais alors avec excellence, venir vous reparler pour rien dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du Cosy Favori si vous n'avez pas eu le temps de la voir. Je vous présente quelques petits trucs que je me suis achetés et voilà, qui me font plaisir. Je pense vous en refaire une autre. Plus tard, dans le courant du mois d'octobre, ou plutôt début novembre, à voir. Sinon, niveau série, j'ai continué... mais à peine, hein, j'ai dû regarder 2-3 épisodes de Supernatural, je suis à l'épisode... Je ne sais plus. Je suis à l'épisode... Eh bien, je sais pas où j'ai foutu ma tablette. J'ai tout... Bah, elle est là, ma tablette. Elle est coucouille. Elle est coucouille. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone, par contre. Ça... Bon, je suis toujours à la saison 7 de Supernatural. Je suis à l'épisode... J'arrive à la fin. Je dois être à l'épisode 18, je pense. J'arrive à la fin de la saison 7. Mais j'ai fait une pause. Parce que, voilà, cette saison, en pas beaucoup de temps. Voilà. Et puis, il y a le Scary Spooky Challenge. Et donc, ça sert à rien de regarder toutes les saisons de Supernatural parce que ça fera qu'une ligne. Donc, je me suis remis à une série qui est déjà sortie, déjà terminée, qui est vieille et que j'avais commencé il y a longtemps, qui m'a saoulée aussi, donc j'avais arrêté. C'est Vampire Diaries. Oui, je suis à fond, là, je suis revenue un peu à l'obsession de Damon. Donc, j'ai repris, j'ai presque fini la saison 1. Il me reste 2 épisodes à regarder de la saison 1. Donc, j'ai repris Vampire Diaries. J'avais des personnages que j'aimais beaucoup dans cette série. J'aime beaucoup... Team Demon Forever, voilà. Demon the number one, mais j'aime beaucoup Caroline, voilà,
C'est un personnage qui a beaucoup évolué au fil de la série. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis là, on va rentrer dans la saison 2 et 3, où on va retrouver la famille Mikkelsen. Donc Klaus, Elijah, Rebecca, voilà. Donc, voilà. J'avais un peu abandonné la série à cette période-là. Je trouvais un peu redondant voilà, la guéguerre de Klaus et de Stéphane. J'avais trouvé saoulant au possible, même si j'adore Elijah. C'est dans les origines, dans la série des originales. C'est mon personnage favori avec Hayley. C'est la romance qui me tenait le plus à cœur. J'ai jamais fini la série Les Originales. Par contre, je ne sais pas du tout comment on finit cette série. Il faudrait que je m'y remette aussi et que je la reprenne de zéro. Donc là, je suis dans Vampire Diaries. Voilà, je me suis remis. J'ai bouffé en ce week-end la saison 1. Et donc, je vais continuer tranquillement. Il faut que je regarde la série Octobre sur Netflix. Il faut que je regarde Lucifer. Ça va me faire gagner des points pour le Scary Spooky. Je vais regarder aussi Le Bal des Folles. Il faut que je m'y mette, même si ça n'a aucun rapport avec le Scary Movie. Scary Spooky, pardon. Voilà, donc vous savez tout. J'ai blablaté là, pour, voilà, sans rien vous présenter d'autre. C'est comme mes vidéos habituelles, en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu dans les vlogs. Voilà. Je trouve que ben, je reste assise et je vous parle. C'est pas sûr que ça vous plaise de l'entendre, tout ça. Voilà, donc ça m'embête un petit peu. J'aimerais que vous appréciez mes vlogs. Donc du coup, je suis en train de réfléchir. Écoutez, je vous ai tout raconté. Je repasserai sûrement plus tard. Bien le bonjour en ce vendredi 8 octobre. C'est pas très régulier tout ça, vous allez me dire. Oui, mais de toute façon, je lis pas, donc je n'allais pas revenir en vlog. Non, j'ai pas lu du tout. C'est un contenu qui est assez pauvre. J'ai lu 70 pages en 10 jours. Je suis toujours dans la Marquise des Ombres que je vous ai présentée au début du vlog. Dans la Marquise des Ombres, c'est pas le roman parce que ça démarre très très bien. J'ai lu 70 pages en... Mais parce que je ne lis pas et que je regarde... je me suis remis à la série Vampire Diaries. Comment vous dire ? Je gobe, je suis à la fin de la saison 3. Je suis à l'épisode 21. J'ai commencé vendredi dernier. Voilà. En une semaine, je n'ai fait que ça. Dans mes temps de repos. Et puis après, j'ai eu j'ai eu des rendez-vous tard le soir. Donc, hier, j'avais une réunion qui a fini à 10h. Donc, je ne pouvais pas revenir papoter avec vous. Là, je suis sur chantier, j'attends un rendez-vous. Donc, je me suis dit que j'allais venir clôturer le vlog tranquillement, en papotant un petit peu des petits news. Au niveau news lecture, vous savez tout, hein, je suis toujours dans la même lecture. Je reprendrai donc dans le prochain vlog. On en reparlera, j'espère que le goût de la lecture va revenir. Ça serait bien. Mais je ne me prends pas la tête parce que je pense que je fais une overdose. Donc j'en fais de temps en temps. Donc on va laisser venir. Là, je suis dans une phase série, donc je vais gober de la série. Et quand ça reviendra, ça reviendra. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Par contre, j'ai avancé un petit peu dans La Princesse des Glaces que je fais en audio. Donc là, j'ai passé la centaine de pages sur les 350. C'est bien, c'est un bon policier. Pour l'instant, on découvre un petit peu l'héroïne principale qui sera une héroïne récurrente en fait, de Camille Läckberg. Ce nom d'écrivain. Donc, son personnage, Erika Falk, on va la retrouver dans d'autres tomes. Donc là, on en apprend un peu plus sur sa vie. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une alternance entre l'enquête, qui n'est pas tout à fait démarrée encore, mais l'enquête et sa vie personnelle. Donc on approfondit bien dans le personnage un petit peu de cette héroïne que l'on va avoir. Et elle va faire un duo avec un enquêteur de la police, Patrick Edstrom. Ils se connaissent de leur enfance et de leur jeunesse et ils vont s'allier pour découvrir ce qui s'est passé au niveau du meurtre d'une amie d'Erika. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas eu trop le temps de faire de l'écoute non plus. Mais j'ai passé la centaine de pages quand même, donc il ne me reste pas non plus. Voilà, je vais bientôt arriver à la moitié. Donc j'ai passé la centaine de pages, donc c'est pas mal quand même. Je l'ai commencé
semaine dernière, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, je pense que là, on a fait le tour. Si. Donc je vais clôturer le vlog ici pour ces deux semaines qui n'ont pas été, voilà. Mais demain, je commence un nouveau vlog. Et là, je m'en vais à Lire en Poche à Gradignan. C'est un petit salon du livre, tout en livre de poche, vous aurez compris. Avec des stands, des conférences. Voilà, j'y suis allée déjà plusieurs fois. Et j'y pars demain avec deux amis. On part demain matin à 9h. Donc, je vais essayer de vlogger au maximum. De vous prendre déjà demain matin au lever, le trajet. Enfin, on va essayer d'en mettre au maximum. D'essayer de vous présenter un petit peu ce salon qui est vraiment très convivial. Il n'est pas très grand. Il est en moitié plein air, moitié à l'intérieur. Donc, c'est vraiment hyper sympa. Ils ont annoncé un temps magnifique pour demain. Donc, ça devrait être top. Donc, voilà, on part sur la journée. Et en plus, je vais retrouver Anaïs. On ne s'est jamais rencontrés, mais on discute pas mal sur les réseaux sociaux. On a fait pas mal de lectures communes toutes les deux. Elle est du sud-ouest comme moi. On n'est pas si loin que ça l'une de l'autre. Mais bon, il y a quand même un petit peu de route. Et donc, on se retrouve au salon demain. Elle vient avec sa famille. Donc, je vais enfin la rencontrer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je vous l'ai déjà mis. C'est toujours les carnets de lecture de Nini. Donc, voilà. Ça, vous êtes au courant. Donc, j'espère que ce vlog sera un peu plus dynamique que le prochain. J'ai vraiment trop hâte d'être à demain. J'ai hâte de vous montrer ça aussi la semaine prochaine. Donc j'espère que ce vlog là sera quand même regardé et que vous viendrez aussi regarder le prochain. Je vais charger tout hein, pour ce soir. Je vais quand même essayer de voir tout, de charger mon téléphone, ma batterie externe, enfin tout ça pour pouvoir filmer au maximum. J'ai trop hâte d'y être, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de salon et puis je sais que celui-là il est très sympa en plus. Donc bon, écoutez, il me tarde. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo de mercredi qui était le book haul du mois de septembre. Et également dimanche dernier, je vous avais posté surtout les cosy favoris, donc les petits achats que j'ai fait autour de l'automne, que ce soit en décoration ou alors pour mon bullet journal. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est en ligne. Et puis je crois que là, j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end et une très bonne semaine pour la semaine prochaine. Et puis on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Bisous câlins.